Coucou tout le monde, c'est la team Miel. On est de retour dans le domaine Zora. Mais pas pour longtemps. Mais pas pour longtemps, parce qu'on va bientôt sortir. Mais non, c'est pas grave, on y retournera après. Pourquoi faire? Pour se téléporter au lac il y a. Pourquoi faire? Ça, c'est une surprise. Donc, comme on l'avait dit dans je sais plus quelle partie, il y a une échelle ici. Hop, est-ce que tu l'as? Bon, t'es bien, coup là, tu peux faire aussi, ce serait Évite de perdre des noix, Mojo. Oui, on va pas aller voir Zelda tout de suite, comme on a dit dans la dernière partie, parce qu'on va s'amuser à récupérer tout ce qu'il y a à récupérer quand on est Link enfant. Même si on va devoir quand même aller, entre guillemets, voir Zelda. Enfin, passer pas loin de chez elle, en tout cas. Hein? Ceux qui ont fait le jeu comprendront. Je voulais dire un truc et j'ai oublié quoi, du coup. Oui, j'allais dire, il n'y a pas d'autres sculptures là, ici. Non, pas encore récupérable, je crois. Non, oui, elle n'est pas récupérable. Je crois qu'elle est récupérable comme Link adulte. Je suis pas sûr, mais... Regarde un Zora qui apparaît comme ça de nulle part. Oh, c'est toi, Miel! Merci pour tout! Le grand j'ai bu, t'es en pleine forme. De toute façon, les Zora et les Gorons, quand on a fini leur donjon, ils disent deux phrases. Les Gorons, ils disent... Non, en fait, les Gorons, ils ont qu'une seule phrase, c'est merci, merci frère Miel. Merci frère Miel. Et comment ça s'appelle, les Zoras, ils disent soit oh, la princesse Rumto ne parle que de toi. Déjà, il fait déjà jour. Ben, visiblement. Tiens, je vais profiter du fait qu'on est... On n'a pas d'haricots. C'est pas grave, j'ai pas besoin des haricots, là. Des haricots, oh. Oh, tu fais des fautes de français, Milu. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Elle est dans le trou. Ah, voilà. Allez. Où est-ce que tu vas apparaître? De l'autre côté. Bon. Je voulais voir si tu pouvais récupérer le... Si tu pouvais récupérer le truc en même temps que tu sors ton ocarina. Bon, je doute que ça le fasse, mais pas grave. Mais j'ai besoin de la nuit. Parce que tu t'es pas téléporté. Alors... Je me demande comment elles disparaissent et apparaissent quand il fait jour et nuit. Je veux dire, si tu la regardes et qu'il se met à faire jour. Je vais te montrer ça pour la prochaine alors. Je me fais le test. Moi je l'ai déjà fait. Enfin, je l'ai pas fait en fait. Enfin, si, je l'ai déjà fait quand même, mais. Je l'ai vu surtout quand j'étais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein, monsieur Oot-Oot là. Tiens, je vais même pas te parler. Parce que je t'aime pas. Moi ici, j'allais souvent ici quand je suis Link adulte pour utiliser le feu de daim sur les corbeaux. C'était mon délire, c'était aller sur le pont et brûler les corbeaux avec le feu de daim. Les pauvres corbeaux, pourquoi tu les as tués? Parce qu'ils voulaient m'attaquer, alors moi je les tue avec le feu. Bah j'ai toujours été comme ça, hein, le feu et moi, depuis que je suis toute petite. Depuis que t'es toute petite, tu et as... Et du coup, dans mes dessins de petite fille, de CP et compagnie, tu sais, les enfants, ils dessinent tout le temps. Je dessinais, par exemple, un Goupix qui faisait le feu de daim et qui brûlait des corbeaux. Oh... Pourquoi des corbeaux? Parce que je brûlais les corbeaux avec le feu. Regarde la magnifique sculpture, j'adore. Ah mince! Oh non, tu m'as trollé, la fée! Ah, la fée, elle m'a trollé. Bon, c'est pas grave, elle va apparaître quand même, mais... T'as vu, c'est la machine. C'est la machine. C'est la machine qui fait hacker après quand on fait le machin. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en était? Tu voulais voir oui, qu'est-ce que ça veut donner, mais madame la... Regarde. Sors du mur. Ah ouais, du coup, elle disparaît. Faut qu'elle rentre dans le mur quand tu... Quand il va faire jour et quand il fait nuit. Bon, après, toutes les sculptures d'or ne disparaissent pas quand il fait nuit. Mais les deux du lac il y a, si, elles le font. Nage droit devant toi. Bah oui. Allez, Link! C'est dur, hein, Link? Tu peux le faire, Link! Car il y a des poissons. Je crois en toi, Link! T'as vu, les poissons, c'est pour les capturer et les donner à Jabu. En offrande. Je sais pas si Link a une suffisamment grand bras pour y arriver. Récupérer le poisson qui est tout en fond de l'eau. Enfin, je crois qu'il y a que des poissons au domaine Zora qui sont capturables et
Dans les grottes. Oui, oui, moi j'allais les chercher dans les grottes en fait, parce que je savais pas où trouver des poissons, je savais même pas, j'ai même pas pensé à chercher au domaine Zora. J'ai cherché un trou pour trouver un poisson quand j'étais petite. Je sais pas où je suis allée, mais je crois que je suis limite revenue au mont du Péri, je sais pas. Même pas parti l'acheter. Non, je savais même pas qu'ils vendaient des poissons. Bon tiens, toi tu sors de nulle part. Eh, vous allez tomber dans le trou, vous allez tomber dans le trou. Non, vous pouvez pas, hein, c'est trop drôle. Oh, il y a une peste, bonjour. Voir. J'abandonne, tu veux bien m'acheter des cœurs? Ah bah ça tombe bien, il m'en manque un. Blue. What? Look. Un cœur. Eh mais c'était pas un cœur, tu m'as arnaqué. Bon, ça a coûté que 7 rubis finalement. Mais tu m'as arnaqué. Ah, n'allez jamais voir cette peste mojo, c'est une arnaqueuse. Je te vendrai des cœurs, qu'elle disait, hein, je te vendrai des cœurs. Y'a pas une histoire d'arbre ici dans la plaine d'Hyrule? Si, si, elle est à côté du village Cocorico. Oui, c'était quoi déjà le problème? Regarde un ananas volant. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais ça m'avait fait rire. Il y avait quelqu'un qui disait, oh regarde, si tu fais ça... Ah oui, c'était à propos des gens qui regardent. Enfin, j'ai été sur un forum et ils parlaient du fait qu'il y a deux Kaboara. Bon, du coup, on peut pas le montrer parce qu'ils sont plus là, mais... Il y en a un à côté du lac Ilia, sur l'arbre qu'on peut voir là-bas. Il y a un autre qui est... Bon, on peut plus le voir, mais de l'autre côté de la colline. Et il y en avait un qui disait... Il y avait des gens qui filmaient et il y en avait un qui disait « Si tu te mets je sais plus où, en bas, tu peux pas t'en faire embêter par l'ananas volant. » Alors ça m'avait fait rire. Alors, elle est où là, l'entrée? Elle est là. Allez, ouais, là. On va en Ranch Lanlan. Ouais, oh, Link, tu cours vite là. En plus, j'ai pressé d'y aller, parce que c'est trop cool. Ranch Lanlan. J'aime bien le Ranch Lanlan aussi. Moi aussi. Je passais beaucoup de temps quand j'étais petit ici. Moi aussi. Je sais pas pourquoi, y'a rien ici. Mais la musique elle est bien et tout, puis les chevaux ils courent et c'est marrant. Bon. De jouer avec Epona. J'ai pas joué avec Epona moi, j'ai joué avec mon copain. Copain Mario. Monsieur, qui suis réveillé maintenant, quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé, c'est le petit gars de la forêt. Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. T'as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de fiancer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les trois cocottes que j'ai ici sont des super cocottes, Saiyan. Super cocottes, Saiyan, des super Saiyan cocottes. Je vais lancer ces trois cocottes au milieu de toutes les autres. Et si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. On parie 10 rubis, ok? Jamais. Ça, jamais. T'as 30 secondes. Prépare-toi, car voici les super cocottes, Saiyan. C'est parti! Trouve les super cocottes, Saiyan. Regarde, y'en a une ici. Oui, en voilà une. Bien joué, mon poussin. Oh, c'est pas elle. C'est pas elle. Ah bah si. Elle a disparu. C'était une cocotte maudite. Sacré nom d'une pipe en bois, j'en reste Baba. Bonjour. Méchant Baba. C'était la dernière, je dois tout trouver. Approche un peu mon pouce, hein. Mais je suis juste devant toi. Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malone? Oh oui, j'ai oui, oh oui, oh oui. Ah ah ah, je blaguais, t'es peut-être un peu jeune pour ça, petite tête. Voici un échantillon de notre célèbre Lelonlon. Il restera ton énergie dans une seconde. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Lelonlon Miluke. T'as vu, il y a marqué Milu dedans? Mais non, mais c'est écrit ça sur la bouteille. T'as vu, il y a marqué Milu dessus? T'as vu, il y a écrit Milu dessus? Oui. Bah oui, c'est normal. C'est ma bouteille! C'est Miluke! Ils nous vendent du lait. Waouh! Pardon. Et ils nous vendent du lait 30 rubis. Enfin, on gagne aussi du lait en fait. Regarde là-haut, regarde-le. Pardon. Pourquoi tu veux pas aller dans la chambre? D'accord, on va. Il y a des jolis dessins. Mais ils sont pas là, les dessins. Ah bon? Je crois pas. Ça me semble que non. Bon, qu'est-ce que tu fais là, cocotte? Il y a une cocotte qui est en haut, pourquoi? Bah, elle est plus là. Il y avait une cocotte en haut. T'as rêvé? Non, j'ai pas rêvé. Ouais, dans la version 3DS, il y a un dessin ici.
T'as vu, tu voles l'argent. Je vole l'argent de Talon qu'il a gagné durement. Oui, y a rien ici, c'est triste. Oui, dans la non, mais dans la version 3DS, il y a plein de rajouts. Il y a plein d'ajouts cool en fait. Moi, je m'amusais à voler jusque là-bas aussi quand j'étais petit. C'est cool. J'aime bien. Bah oui, mais comme je t'ai dit, j'aimais bien passer du bon temps ici. Du bon temps. Je passais du bon temps. Chop. Encore une sculpture là. Zut. Allez, on va aller voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur du moulin, du truc. Du truc bizarre là. Moulin, ça, mais... ce truc là. Mais t'es rentré dans le. Oui, je suis rentré ici. T'as vu, il y a notre amie. Oh, c'est Lon Lon. Ouais, t'as vu, elle cache. C'est Lon Lon. C'est Lon Lon, elle cache. C'est Malon. T'as vu, elle cache son truc là. Oh, juste, on peut pas voir que c'est une partisan de Bowser. Ah, voilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa? Non. As-tu visité le château? Oui. As-tu rencontré la princesse? La princesse, hihihi. Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre. Hihi, bah alors tu vois, tu sais qu'on l'a rencontré. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon ami. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? Non, regarde, elle a peur. Epona! Pourquoi tu lui as envoyé une bombe? On dirait qu'Epona a peur de toi. En même temps, hein, j'aurais peur moi aussi si je rencontrais un garçon qui m'envoie des bombes. Hein. Vas-y, joue de la musique quand même, ça peut être cool. Non? Non. Ah, ma mère me chantait cette chanson. Elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Milu, ouais. Il chante pas. Milu, il chante pas, oui. Non, mais de toute façon, Link, je l'appelle tout le temps Milu. Oh, le bel Ocarina, vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument? Ok, voici ma mélodie. Epona, Epona. T'as vu, je chante. Ouais. Comme tu l'as dit. Epona. T'as vu, il y a des notes de musique. Epona. Moi, à chaque fois, je pensais que le truc, ça faisait Epona, Epona, Epona. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui existe. Et justement, le refrain, c'est ça, Epona, Epona. Donc, j'avais pas tort. Oui, moi aussi, j'y pensais tout le temps, en fait. Hein. Je pensais tout le temps. Ouais, c'est le chant d'Epona, donc forcément. Epona, Epona. T'as vu... Oh non, pas toi. Pourquoi elle est là? T'as vu, il y a marqué F. Ouais, mais oh, le décale. Hey, il veut me courir après, il va me courir après. Il veut te manger. Il veut te manger. Il mangera pas. Je lui ai jeté une bombe. D'ailleurs, attends, est-ce qu'elle va sortir avec moi? Non. Non, t'as une baka, hein. Viens ici. Parce que d'un moment, elle a peur de nous. Voilà, elle a peur de nous, ça y est, ça recommence. Ah, oh, regarde, je vais te manger, maintenant c'est moi qui vais te manger, maintenant c'est moi qui vais te manger. Elle essaye de rentrer, mais elle peut pas. Oh, oh, oh. Elle est un petit peu bête, Epona, elle est un peu navi. Mais pourquoi il est sorti, lui aussi? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il, lui? Mais pourquoi les chevaux, ils s'en vont comme ça? Eh mais ça m'a duré leur rentre, j'entends les chevaux ils sortent comme ils veulent. Mais après ils font dans le mur. Oh, vous êtes vraiment des chevaux. Vous êtes mignons. Bon, ça va, au moins lui il essaie pas de fuir ou de rentrer. Epona, elle fait du surplace là, c'est drôle. Ah si, quand même un petit peu. Hein. Ah lui il est peut-être un petit peu plus malin quand même. Hein. Epona, ce n'est pas une bonne idée, ne faisons pas ça. Essaie d'avancer comme moi je le fais. Mais Epona, arrête de faire ça. Pauvre Epona. Ah. Encore un! Non, mais lui c'est normal. Oui, je sais. Lui il s'entraîne à la course. C'est pour plus tard, dans 7 ans, on sait jamais. Du coup, est-ce qu'on les voit toujours? Oui. Oui. L'autre il devient fou. Bon, il a disparu, hein, il est mort. Il est tombé dans un trou. Comme là, elle le fait si bien dans Dragon Quest 9. Ah ouais, non, mais ça, Dragon Quest 9, il y a des trous invisibles, je sais pas pourquoi. Wouah! Oliver, tu fais des bruits bizarres. Pourquoi il y a une vache toute seule ici, la pauvre? Il y en a deux. Pourquoi il y a deux vaches ici toutes seules, les Parce pauvres? Parce que c'est une étable. Pourquoi l'étable elle est si loin? Pour faire plus de travail. Link. Je veux pousser cette truc et Link est monté. D'accord, Link. Link, descends, s'il te plaît. Ah non, c'est... Non, mais. Mais Link! Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bon, dis donc, les vaches, vous êtes motivés, là, vous arrêtez pas à le faire. Oh, regarde, il y a un truc dans le nid. C'est le nid de cocotte, c'est un nid de cocotte. Il y a quelqu'un qui a pondu un quart de cœur. Plus qu'un, et votre énergie sera plus importante.
Nous avons besoin de la nuit. Des temps. Encore ? Toujours la nuit. T'as vu, t'as pas réussi. Je pense qu'on va se laisser ici. On va se laisser ici. On va se laisser. Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas cette expression. Mais non, mais je la trouve bizarre. On va se laisser ici. On va se laisser ici. On va se laisser ici. Oui, des tout corps. Des tout corps. Des tout corps, pas des tout corps, s'il te plaît. D'accord, désolé. Link, tiens, 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 regarde, 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 regarde. Je vais changer le bouclier. Et Link, il continue. Il protège au moins ? Non. Je suis très vulnérable. Oh. Tiens, triste. La caméra, là, elle est revenue normale. Bon, bah, sur voilà. Ce. Au revoir tout le monde. Nous allons nous laisser ici. Tu insistes. Navi est pas contente. Navi est pas contente. Miel, pourquoi tu dis ça ? Est-ce que je peux le toucher ? Non, le boomerang va pas assez loin. Bon, bah. Au revoir tout le monde. Regardons les beaux yeux de Link et partons. Salut. À bientôt.